C'est à vous la suite avec Marion, Pierre, Patrick et le destin d'une étoile filante, celui d'un chanteur israélien que la France va découvrir pour la première fois à la télévision le 25 janvier 1970 en direct du Gala du Midem à Cannes. Le single « Laisse-moi t'aimer » est sorti, succès immédiat, 500 000 exemplaires vendus, le début du phénomène Mike Brandt qui pendant 5 ans va électriser les foules. Bonsoir Yona Brandt. Bonsoir, merci. Vous êtes la nièce de Mike Brandt, à vos côtés Jean Renard, producteur et ami du chanteur. Merci de votre présence à tous les deux à l'occasion du documentaire réalisé par François Chaumont qui sera diffusé vendredi soir sur France 3 et qui retrace le destin d'une étoile filante. Pourquoi ? Parce qu'en 5 ans, il a vécu un tourbillon insensé. 15 millions d'albums vendus, des couvertures de journaux par centaines, des galas par milliers, beaucoup plus, j'ai appris ça, que Johnny, Sardou, Claude François ou Joe Dassin à la même époque. Un tourbillon insensé et cette voix et cette amplitude vocale folle, on l'a entendu là sur Laisse-moi t'aimer. Et vous disiez, il envoie du bois. Je n'ai pas dit comme ça, mais je dis, il a pris la note, il l'a faite. Il a pris la note. Eh oui, ouais. Cette voix-là, Jean Renard, elle vous impressionnait ? Oui, bien sûr, parce que c'était une voix naturelle, c'était quelque chose de naturel et de surnaturel. Il était né avec une voix qui n'avait pas besoin de travailler, et forcément, c'est très intéressant. Le problème, c'est que quand on a commencé à travailler, il parlait pas très bien français. Et pour accéder au public populaire, il vaut mieux qu'on comprenne très bien. Et bien entendu, l'accent, c'est toujours intéressant. Hein. Iglesias s'en est servi, Gene Manson aussi. Mais avec Mike, c'était un petit peu différent. Il fallait qu'on enregistre en... Laisse-moi t'aimer, il l'avait appris phonétique. En phonétique, oui, hébreu. Il écrivait donc de droite à gauche. Et donc, c'était comme ça, avec un point au milieu. Enfin, c'était... Bon. On a retrouvé d'ailleurs ces manuscrits phonétiques des années après. C'est extraordinaire. J'ai même retrouvé dans les costumes des antisèches, quoi, avec les paroles en hébreu. Mon père a gardé précieusement les costumes pendant des années. Et puis, il n'y a pas longtemps, peut-être 6 ans, 7 ans, pour un tournage, on a ressorti les costumes. Alors, je les mets en place, je les arrange. Mon père me met tout à disposition pour qu'effectivement, je les prépare. Et puis, il y avait un petit pli. Alors, machinalement, je remets les poches droites. Et là, je sens quelque chose. Je ressors. Qu'est-ce que c'est que ça? C'était des manuscrits de Mike. Extraordinaire. C'est bouleversant. Ouais, bouleversant, oui. Son destin va débuter à Téhéran, où il donne alors des concerts. Il y rencontre Sylvie Vartan et son secrétaire d'alors, Carlos, qui lui conseille de venir à Paris, ce qu'il fait. Sauf qu'il arrive à Paris sans prévenir personne. Mais il n'y avait pas Twitter à l'époque. Pour se signaler. Il n'y avait pas de téléphone. Donc avec le peu d'argent qui lui reste, il passe un dernier coup de fil avant de reprendre l'avion. Et là... Ça se passe bien. C'est ça l'histoire folle. Ça s'est joué à très peu de choses, en fait. Très peu de choses. Mais toute la vie de Mike est parcourue de coups de chance, en fait, de rencontres. D'ailleurs, avec Jean, ça en est une sacrée belle. Il a eu, comme disait Mike, il disait, il ne faut pas seulement avoir du talent et travailler dur, il faut aussi de la chance. Et je pense que Mike a eu de la chance. De la chance, du talent, une aisance scénique subjugante. Whoa!
Quand Mike Brandt arrive en France et qu'il va vous rencontrer, Jean Renard, vous êtes trois qui trustez tous les tubes, il y a Bourterre, Revaux et vous. Et vous, à ce moment-là, vous avez dans la tête une mélodie, vous pensez la refiler à Dick Rivers, et puis finalement, ce sera Mike Brandt, et ce sera justement « Laisse-moi t'aimer ». Oui, enfin bon, c'était pas tout à fait comme ce que c'est devenu. Dick Rivers, il fallait un petit peu plus blues et un petit peu plus Presley aussi. Donc il a fallu remanier un peu et puis... mais enfin, la mélodie, elle a été forcément primordiale, quoi. C'est surtout ces notes-là qu'il fallait garder. Et puis je les ai forcément adaptées à la voix extraordinaire et surnaturelle. À la voix de Mike, bien entendu. Les années 70, c'est l'époque de Salut les copains, mais c'est aussi une bataille phénoménale entre Europe et RTL. Et RTL, il y a quelqu'un, Monique Lemarcy, qui est une prêtresse de tous les jeunes talents. Et elle adopte Mike Brandt et elle va faire beaucoup pour sa promotion. Oui, Monique était une... elle avait ce don de savoir ce que ses auditeurs avaient besoin pour être heureux, si vous voulez. Elle avait, d'ailleurs, elle a conquis ses lettres de noblesse chez RTL, on peut le dire, justement parce qu'elle avait ça en elle. Ça s'est passé pour Dassin, ça s'est passé bien pour sûr. Julio Iglesias, ça s'est passé pour beaucoup d'autres. Et... elle se trompait rarement. Eh oui, elle avait d'ailleurs ce talent extraordinaire de découvreuse de talent, carrément. Ben, ça a été toute sa carrière et sa magnifique carrière. Et là, on voit des images extraordinaires de jeunes femmes qui sautent sur Mike Brandt. Il était beau comme un dieu, irrésistible. Ah, ouais. Oui, je pense qu'il était solaire aussi. Il dégageait quelque chose de solaire parce que sans être connu, les gens se retournaient déjà sur lui. Hein, au festival de San Remo, on a Johnny, on a Dalida, et les photographes arrivent, ils voient Mike à côté, alors qu'il n'est pas connu du tout, et on prend Mike en photo. C'est un aura. Oui. Jean Renard était assez malin, d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas... Vous étiez assez malin, et vous l'êtes toujours, mais il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, mais il y avait cette bataille que la presse suivait. Et un jour où Mike Brandt avait eu un petit accident de voiture, vous avez mis en scène... pour la photo, ça c'est la photo de l'accident, mais vous avez mis en scène Mike Brandt dans son lit d'hôpital, ce qui a fait forcément beaucoup de presse. La dernière chanson que vous avez, on le voit là, vous en avez rajouté énormément, il était beaucoup moins blessé que ça, mais ça a fait une belle photo dans France Soir et dans pas mal. De mettre un tube sous un bras, moins on se dit, bon, il s'est passé quelque chose. Ah, oui. Il y a eu un traumatisme crânien quand même. Mais oui, mais je veux dire, c'était un traumatisme, heureusement, à l'époque, plutôt léger. Tout à fait. La dernière chanson que vous ferez ensemble, ce sera celle-ci. Surtout. J'ai dit que ce sera la dernière que vous ferez ensemble parce que vous allez vous fâcher un peu parce qu'il veut faire la première partie de Dalida et vous pas. Oui, et puis on avait enregistré cette chanson qui sera et je l'avais mise de côté. Je ne voulais pas que ça sorte tout de suite. Je savais que c'était puissant et que ce serait forcément un tube. Et je ne voulais pas que Mike Brandt devienne systématiquement un chanteur de tube, plus un tube, plus un tube, plus un tube. Parce que ça, c'est très difficile à soutenir au point de vue carrière. Et on ne sait jamais quand ça va être un tube de façon certaine. Alors, je l'avais mis de côté en me disant que le jour où il faudra, au cas où la carrière marcherait un petit peu moins bien, on sortirait. Je l'avais mis de côté. Et là, je lui avais dit, tu vas chanter à corps perdu. Claire. Mais... il m'en a voulu un petit peu, voilà. Et forcément, le jour où on a eu besoin de ressortir ce petit bobineau qui était dans mon grenier, son producteur de l'époque m'a demandé de lui apporter, puisque Mike s'en est souvenu. Effectivement, c'était mixé, c'était fini, mais en même temps, bon...
Vive les vieux bobineaux. Parce que Mike avait... C'était voué à faire un succès. Mais parce que, merci, parce que Mike avait repéré cette chanson qu'il avait entendue au festival de San Remo, qui est donc Sara, chantée par Félix Chiano, je crois. J'ai un petit trou de mémoire. Et donc, Mike avait commencé sa jeune carrière à 16-17 ans en reprenant les chansons du festival de San Remo, romantique, en italien. Donc, il avait le coup de cœur pour cette chanson. Et il avait vraiment envie de la chanter, bien qu'il aimait évidemment les chansons de Jean, qui étaient au niveau puissance vocale formidable pour lui. Pierre le disait, il n'y avait pas de réseaux sociaux à l'époque, mais il y avait des journaux pour adolescents qui se vendaient à des millions d'exemplaires, notamment les deux mastodontes qui étaient Podium, appartenant à Claude François, et Hit Magazine, qui proposaient des posters. Donc il y avait des posters de Mike Brandt dans toutes les chambres d'adolescents. Et d'adolescentes, et à propos des adolescentes, vous avez souligné Jean Renard et vous qu'il ne parlait pas bien français, ça lui a joué des tours, il s'est retrouvé parfois un peu perdu, on le voit dans le doc, sur des plateaux de télévision, face à ces questions justement d'adolescentes, et ça se voit notamment face à un vieux renard des plateaux comme Philippe Bouvard. Donc, on me dit que vous êtes de plus en plus traqué par les jolies filles. Oui, un peu. Mais est-ce qu'il arrive que vous rentriez chez vous le soir et que le garde du corps ait mal fait son travail et qu'il y ait déjà des admiratrices installées dans votre chambre ? Oui, la dernière gala, j'ai trouvé 4 filles dans mon lit. Oui, mais 13 ans, très jeune. Alors qu'est-ce que vous avez fait ? Je dis, écoute, excuse-moi, je suis très fatigué, je vais dormir. Appelle-moi. Ben, nous aurions tous fait comme vous, menteur. Et voilà, Philippe Bouvard vient de le traiter de menteur. Oui, c'est dur parce qu'il comprend... Bon, après, avec le temps, il parle plus français, mais il ne comprend pas les subtilités de la langue et surtout le côté taquin et moqueur que peuvent avoir les Français entre eux. Il ne peut pas répliquer. Et là, c'est un petit peu dur parce qu'il sent quand même qu'on se moque de lui, qu'on ne le prend pas au sérieux, alors qu'en fait, lui, il est encore pur. Il respecte beaucoup ses jeunes filles, mais il parle très simplement des choses. Et c'est vrai que c'est un... Olivier Le Bleu, d'ailleurs, son biographe, en parle très bien dans le documentaire de François. Et c'est des petites choses comme ça qui le piquaient et qui lui faisaient de la peine. Il ne comprenait pas, en fait, cette taquinerie. Ouais. Alors la rupture, la cassure se fait en 1973, la guerre du Kippour éclate. Toute la famille de Mike habite en Israël, son frère Zvi est mobilisé. Mike décide d'aller chanter pour les soldats, les blessés. Il ne reviendra pas tout à fait le même. D'autant que Mike est déjà habité, hanté par une histoire familiale lourde. Ses parents ont perdu toute leur famille dans les camps de concentration. Une histoire qui est tue dans la famille, mais dont il hérite. Et en revenant en France, il a peur. Il a peur qu'un attentat soit commis contre lui. Psychologiquement épuisé, il fera une première tentative de suicide. En Suisse, il sera ensuite interviewé par André Torrent sur RTL. Je crois que je vais sortir plus fort de cet hôpital parce que, crois-moi, maintenant, je n'ai pas envie de suicider. Et je dis merci à Dieu qu'il m'a sauvé ma vie. Tout ça, mais c'était une connerie. Et je crois que ça va être la dernière fois, j'espère. Oui, je crois, c'est la dernière fois. Vraiment. Yona, je vous vois toujours terriblement émue en écoutant la voix. Toujours, oui. Mais Mike est quelqu'un qui touche, qui continue à toucher. Moi, je ne m'en lasse pas. Voilà. J'ai cette chance de pouvoir... j'ai la chance qu'il soit à mes côtés, encore et toujours, d'une autre manière que si je l'avais connu. Mais voilà, cette interview est très émouvante parce que voilà, elle révèle beaucoup de choses. On entend... voilà, rien que d'entendre sa voix. En fait, il avait une très jolie voix, très douce voix en parlant. Et voilà, c'est émouvant. Il dit « je ne recommencerai pas ». Oui. Mais il l'a dit, hein, il a dit « c'était une bêtise, je ne pensais pas faire ça, je pense que c'était un coup de folie, un trop-plein ». Et c'est vrai qu'on parle souvent de la paranoïa de Mike et de cette psychose. Mais moi, je pense que ce n'est pas une paranoïa anodine. En fait, il avait raison d'être paranoïaque parce qu'on parle de la guerre de Kippour, mais il y a eu les attentats de Munich, il y a eu beaucoup d'actes antisémites et autres. Donc, c'est vrai qu'il était potentiellement une cible, ce n'est pas faux. Et à un moment donné, il ne savait plus si les jeunes filles qui arrivaient avec des ciseaux pour lui couper des mèches de cheveux en souvenir, ou si, est-ce que c'était ça ou est-ce que c'était un attentat, quelqu'un qui lui en voulait, en fait. Donc, il n'avait pas totalement tort, je pense, d'avoir ces craintes-là.
Maintenant, c'est vrai que ça a pris une dimension, une surdimension par rapport à, évidemment... Et une part de mystère aussi. Oui. Dans la... Et une part de mystère sur sa disparition et sur sa mort. Oui, je le pense. 25 avril 1975. Des questions autour de... Le coup de fil qu'il a reçu avant de se... Oui, de toute façon, une disparition comme ça, tragique, alors que... Il avait soi-disant tout pour lui et qu'il était en plein essor. On ne comprend pas, donc ça amène à des polémiques encore et toujours. On peut le comprendre, on l'accepte, mais il y en a qui sont complètement farfelus, d'autres qui peuvent être plausibles, effectivement. Je pense que personne à ce jour ne sait et qu'à 50-50, on peut omettre cette thèse. Comme cette c'est-à-dire thèse-là. La thèse du suicide ou la thèse d'une mort provoquée, en quelque sorte, c'est ça. Je pense qu'on peut les mettre, oui. Mike Brandt, L'étoile filante, c'est un formidable documentaire qui sera diffusé vendredi à 21h sur France 3, signé François Chaumont. Et puis le coffret Anthologie est toujours disponible, ainsi que le best-of. Merci au speakerin, là, Patrick, de le montrer. C'est très gentil de votre part. Je suis très heureuse de ce documentaire parce que, déjà, c'est un vrai cadeau. C'est 2h10 sur le parcours fulgurant de Mike, mais pas seulement sur cette période 70, sur ces folles années, sur j'en ai les répercussions, parce que même si je suis née un petit peu après, et ça parle d'autres artistes aussi, parce que moi, personnellement, j'adore cette période, donc pas seulement grâce à Mike, mais aussi par tout ce que ça représente. Et puis voilà, on va parler de Johnny, de ses Jérômes, de Nicoletta, que j'aime énormément. Qui témoigne d'ailleurs dans ce documentaire.